Bonjour Julie, donc nous sommes ici à Perchamps-Nocé, donc dans la commune de Nocé, pour un vide dressing et bourse aux jouets qui se déroule donc aujourd'hui dimanche, ici dans cette petite commune du Perche. Donc Julie, voilà, qui est la présidente de l'association Cap Jones. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette association ? Donc, c'est une association justement de jeunes, comme on l'a dit, de 11 à 18 ans. Ensuite, notre but, c'est de faire en fait des sorties grâce à des manifestations, comme Vitressing, justement ici, Marché de Noël, le Muguet, puis on en a encore d'autres. On a également une mise à disposition d'un local, grâce à la mairie, avec un baby-foot, on a aussi un billard, on a également des canapés, des fauteuils, pour faire un petit peu un salon, on a une cuisine, enfin bref, on a tout à disposition, des toilettes, ça nous permet de nous réunir un peu tous les mercredis et le week-end, et un peu plus souvent pendant les vacances scolaires. On a aussi... un petit peu une collaboration avec la mairie, puisque étant donné qu'ils nous ont mis à disposition un local, nous on va les aider dans la vie communale. En participant à la vie communale, donc, par exemple avec la distribution de la gazette. On a aussi la fête à Nocé avec le vide-grenier. Voilà, c'est ça. Et on fait donc avec ces petites réunions entre guillemets quand on se retrouve, on décide un petit peu des sorties qu'on va faire, comme par exemple là on va faire les illuminations de Paris, on a à Center Park, on fait du karting, on fait plein de petites sorties comme ça. Et il faut savoir que pour l'association on a besoin d'un bureau avec un ou une présidente, un ou une secrétaire, on a aussi un trésorier, et deux ou trois autres personnes qui vont être là pour pouvoir organiser avec l'aide d'un accompagnateur. Voilà. Et en fait, même si vous êtes jeune, vous voulez vraiment faire les choses sérieusement, vraiment comme... vous êtes structuré, parce que c'est important de le dire, et que vous n'êtes pas des jeunes, qui, comme vous disiez tout à l'heure, qui vous réunissez pour faire n'importe quoi. Vous avez quand même de la réflexion pour organiser choses pour le village. On a vraiment un but. Et en tant que membre du bureau, c'est vraiment important de trouver des nouvelles idées pour faire avancer l'association. Par exemple, là, il y a quelques années, c'était très facile d'avoir de nouveaux adhérents parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui se connaissaient, tout ça. Mais il y a eu toute une génération qui est partie, donc nous, il a fallu qu'on trouve d'autres solutions. Donc, par exemple, on a fait une démarche en allant faire une présentation à l'école primaire de Nocé avec les CM2. Après moi je sais que j'ai eu l'idée de faire également la même chose pour Préo vu que notre association elle est délimitée par Perchamps-Nocé. Après on n'a pas la possibilité de le faire dans un collège puisqu'on n'en a pas dans Perchamps-Nocé. Ah oui, il n'y en a pas, d'accord. Il faut vraiment qu'on reste dans cette limite par rapport à la mairie. Ok. Qui nous aide avec aussi des subventions. Mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver un renouvellement de jeunes ici. Oui, c'est pas facile. Puisque les jeunes en plus restent à la maison, sortent pas beaucoup. Sur les technologies, les choses comme ça, c'est vrai qu'on a vu différentes générations en 7 ans. Moi, je sais qu'il y a eu mon frère qui a aujourd'hui 24 ans, donc il y a toute une génération comme ça. Ensuite, il y a eu nous qui étions un peu plus jeunes. Et là, moi, j'ai aussi ma petite sœur qui a 11 ans, mais c'est vrai que des personnes de leur âge, ils ont plus de mal à sortir ou à s'investir. Ils sont beaucoup plus intéressés par les réseaux sociaux, des choses comme ça. Voilà. Alors, sur une journée comme aujourd'hui sur le vide dressing, c'est pas trop dur à organiser? Alors, on a toutes nos petites affiches avec, par exemple, les formules, les sandwichs, enfin, tout ce qu'on propose en repas ou au bar. Donc, on a des personnes qui s'occupent du bar, il y en a qui s'occupent de l'argent, comme le trésorier. D'autres de l'installation,
en début et en fin. Mais tout ça, il faut le préparer à l'avance. On a des personnes qui vont comme l'accompagnateur et une des personnes de l'association, par exemple, qui vont prendre les appels des gens et qui vont faire tout un plan dans l'installation de la salle des fêtes. Oui, parce qu'en fait, vous êtes conseillé par une personne qui vous conseille sur la com, comment vous y prendre. Parce que c'est vrai que vous êtes jeune, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas faire les choses. On a des aides. Mais vous avez du mal sur certaines choses, je pense. On a besoin de certaines bases, à force de... Comment dire? Au bout de quelques années, on sait déjà à peu près l'organisation. Donc on ne redit pas tout. On l'apprend peut-être à de nouvelles personnes. Mais on a, des fois, c'est vrai qu'on a, on a l'aide d'accompagnateurs. Mais on a aussi rencontré d'autres personnes qui s'y connaissaient bien en communication. Donc ça nous permet d'apprendre de nouvelles choses aussi. Tes études, tu les fais en communication, non? Ou tu, non. Tu veux faire quoi plus tard, hein? Ergothérapeute ou psychomotricienne. D'accord. Peut-être okay. Orthophoniste. Ok, d'accord. Mais je fais beaucoup d'oral, donc. D'ailleurs, ton accompagnateur est là? Oui. Allez, rejoins-nous. Présente-nous ton accompagnateur et le rôle, il est accompagnateur, mais voilà, vraiment son rôle dans l'association. D'accord. Comment est-ce qu'il vous conseille? Alors, déjà, il faut savoir qu'on dit accompagnateur, c'est un peu trop formel, parce que nous, on est un petit peu, presque une famille. On le surnomme tonton, donc ça nous permet d'avoir un cercle où il n'y a pas vraiment... Enfin, si, il y a des barrières, mais on est plus libre de parler. Donc, par exemple, moi, je sais que avec tonton... Tant que c'est pas grand-père, ça va. ça serait inquiétant. on va se contacter pour faire des réunions afin de, je sais pas moi, de voir les dates, par exemple, déjà des manifestations, voir... le prêt du minibus, par exemple, qui nous sert pour quasiment toutes nos sorties. C'est vraiment fixer les dates, organiser. Il est tout le temps là pour toutes les manifestations, pour les sorties. C'est vraiment... même pour l'ouverture de la salle. Parce qu'avec le local, il n'y a que des membres du bureau qui peuvent ouvrir le local. Donc actuellement, il y a moi qui ai la clé, que je peux prêter éventuellement à d'autres personnes, des membres du bureau. Ou alors, il y a Jérôme qui a les clés, pour gérer aussi tout ce qui est administratif. Voilà, il fait aussi un petit peu le rôle de surveillant des fois, non? C'est pas trop dur de laisser des jeunes comme ça, par exemple, ensemble dans une salle. Faut les recadrer des fois, non? Oui, des fois, il faut les recadrer, mais ça va. Dans l'ensemble, ils sont assez sages. Ils sont, on ne va pas dire obéissants, parce que bon, voilà. Je leur laisse quand c'est même... C'est des jeunes, un peu. Voilà. C'est des jeunes. Ils ont leur mentalité. Voilà, bon, j'essaie de les recadrer quand même de temps en temps, quand ils vont un peu trop loin. Mais ça va, dans l'ensemble. Ils sont corrects, ils sont polis. Ils sont dévoués. Ils sont... Enfin, c'est... Ils sont beaucoup. On va dire aussi qu'on a nos habitudes. Certaines années, on a des habitudes, des instincts qui s'installent au quotidien. Moi, je sais que si j'ai pas le temps, je vais quand même essayer de contacter pour voir comment ça se passe. Alors, quelles seront les prochaines manifestations organisées par Cap Jones? Je pense qu'il va y avoir, là, il va y avoir un petit creux avec l'hiver, non? On va voir le marché de Noël. Il y a un marché de Noël ici, d'accord, hein? Oui. Okay. Donc, on va faire le marché de Noël. On va avoir aussi le muguet, mais je pense qu'on peut trouver une autre manifestation à faire entre deux. Je pense que c'est possible. Il suffit juste qu'on rassemble nos idées. Après, en manifestation, on va avoir aussi la fête du village. Cet été. Oui, c'est au mois de juillet, c'est juillet, ça? Oui, le troisième week-end. C'est dur à dire. Troisième week-end de juillet. Après, je sais qu'on a déjà parlé d'idées avec Jérôme et d'autres personnes de l'association pour faire d'autres manifestations. On a aussi chaque année, parce que l'ancien accompagnateur est parti, mais on a quand même, ils nous ont
On a un couple qui tiennent un restaurant à 40 ans, qui les accueille et ils font une soirée privative, donc, c'est-à-dire parce que c'est un ancien DJ, et qui leur fait un genre de petite discothèque privative pour eux. Et ça, ils nous ont dit qu'ils vous accueillent avec les bras ouverts, encore. Après. Tu as oublié, mais c'est pas grave. On a aussi le théâtre et la soirée dansante. Organisé le théâtre soir et soirée dansante le même soir. Oui, d'ailleurs, le théâtre, hein, c'est vrai qu'effectivement, qui a fait beaucoup de dates cette année. Oui, et qui va en refaire. Voilà, il y a déjà des dates de poser, des villages où vous allez jouer. Il y a des dates, donc c'est le week-end du 26 février, c'est à Berduy, et il y a d'autres dates qui arrivent. Pour une fois, et on aura celle de Nocé qu'il faut qu'on détermine justement en fonction des dates, de leurs dates où ils seront pris. Généralement, ça a beaucoup de succès. C'est l'estrade à Berduy, dont j'en fais partie. Et en fait, on joue vraiment pour les communes qui nous le demandent. Mais on n'est pas trop gourmand non plus, on n'est pas des stars, on n'est pas des... voilà, on a aussi notre vie. Donc, après, on a quand même essayé de faire des collaborations avec, par exemple, l'association des parents d'élèves de l'école de Nocé. Une fois, on a aussi, avec le réseau Junior Association, la RNJA. C'est un réseau d'habilitation où toutes les associations qui est composée de mineurs On adhère à cette association-là, voilà, c'est eux qui va gérer toutes les petites associations. Oui. Voilà. Et en fait, une fois, on avait fait une réunion avec plusieurs associations. Donc il y en avait une, je me rappelle, avec trois jeunes filles du TEI qui faisaient... Ils faisaient partie de la maison des jeunes. Voilà, c'est ça. Du TEI. Il y a eu des jeunes venant de Flair, il me semble, qui étaient une association pour du skate, non ? C'est ça. Voilà. Et moi, je connais aussi notre association avec qui j'aimerais bien voir des choses. C'est une association Mortagne au Perche, voilà. Et j'ai une amie qui fait partie de cette association. C'est quoi comme association ? Je ne sais plus exactement, mais je sais qu'il serait possible de faire une collaboration. Après, je vais me renseigner. Mais... Il faut qu'on se renseigne. Oui. Il faut se lancer, il faut lancer l'idée. Voilà. Ah, il me semble en fait qu'à... Ils récoltent de l'argent pour aider d'autres associations, il me semble. Pas dire de bêtises, mais... Ça, on n'a même pas le temps d'en parler. Donc là, vous avez un bon budget quand même pour organiser des choses. C'est vrai que la ville vous aide plutôt bien. Nous aide bien. Donc c'est un petit plus, effectivement. Je vous remercie d'ailleurs pour ça. Oui. Et je sais qu'ils sont derrière les jeunes. Ils sont... prêt à les aider pour tout. Voilà, on peut leur faire confiance, il n'y a pas de souci. Et je sais que on a besoin de la commune et que la commune le retourne bien, il n'y a pas de souci. Je sais qu'ils feront tout pour les jeunes. Ah, c'est vrai que c'est important d'avoir des jeunes dans une commune, parce que quand il n'y a plus de jeunes, c'est ça. C'est bien triste. Voilà. Je sais qu'ils veulent garder les jeunes dans la commune. Donc voilà, ils vont tout. Pas dire qu'ils vont être prêts à tout quand même. Non, mais... Mais presque à tout, il y a quand même des limites. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus ici à Perche-en-Lossé. Et puis, nous, on sait où aller faire la chouille quand on aura besoin d'une clé. Voilà. On aura la clé du local, on pourra aller faire la chouille. Voilà, exactement. Voilà. Ça, faut demander l'autorisation. Ça, bien sûr, je mettrai pour... Bon, merci Julie et Jérôme. C'est ça. Je ne suis pas trompé là. Oui. Hein? Et puis à bientôt alors. À bientôt. Merci, à bientôt. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful.